Salut mes petits gourmands, comment ça va? Mercredi, vous avez dit qu'on se retrouverait aujourd'hui pour une recette de fou, de malade. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro, dans la miniature et dans le titre aussi, j'ai réalisé donc ce nounours géant en bonbons, bonbons faits maison, avec une boisson également faite maison. Et moi qui ai testé la recette du Coca-Cola XXL en bonbons, avec donc le Coca-Cola et la gélatine. Il n'y a vraiment pas photo pour moi personnellement, ce n'est pas pour mettre en avant ma recette ou quoi que ce soit, mais vraiment il y a une différence parce que le Coca-Cola plus la gélatine c'est un peu plus quand même écœurant chimique, alors que là vous avez vraiment un bonbon qui est vraiment super sympa et frais. Voilà, je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans la vidéo. En tout cas, si vous êtes nouveau par ici, vous découvrez ma chaîne grâce à cette recette, et ben n'hésitez pas à vous abonner par ici, c'est bien sûr gratuit. Et en plus, ça me fera super plaisir, ça me motivera à continuer à fond mes vidéos et mes recettes. Et puis d'ailleurs, tu pourras parcourir mes anciennes recettes et découvrir qu'il y a plein de recettes super simples, super faciles, super rapides. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu dans ma communauté de gourmands. Voilà, moi je vais vous laisser découvrir déjà le bonbon. Et là, je suis sûr que vous avez envie de croquer dedans. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu que je sache combien de personnes auraient bien aimé manger ce bonbon avec moi. Voilà, moi je vais vous laisser sans plus attendre découvrir la recette. Allez, c'est parti! Et on commence par verser une bouteille d'1,5 litre d'eau minérale ou d'eau de source dans une casserole et on va ramener ça à ébullition. Oui, ce sera meilleur que de l'eau du robinet. Une fois que vous aurez atteint donc l'ébullition, vous allez mettre 2 sachets de thé Earl Grey dans votre casserole et vous allez retirer du feu et vous allez laisser infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps, avec des framboises fraîches entières ou surgelées, ou avec, comme moi j'ai trouvé, de la brisure de framboise surgelée, faites chauffer ça pendant 10 minutes à feu moyen. Puis vous obtenez un coulis assez épais et là ce que vous allez faire c'est que vous allez passer ça dans un tamis ou une passoire pour retirer les petits grains et la pulpe, comme ça vous aurez un coulis parfait. Ensuite, vous versez dans votre coulis 50 g de sucre et vous allez continuer à faire chauffer. Dans votre eau infusée au thé, vous allez aussi verser 50 g de sucre et vous allez aussi continuer à faire chauffer. Et toujours à feu moyen en remuant. Ensuite, dans une plus grande casserole, vous versez donc votre thé, puis vous rajoutez votre coulis de framboise. Vous aurez donc une casserole assez grande pour accueillir les deux liquides. Ensuite, on va rajouter donc le jus d'un citron et demi. Donc un citron plus la moitié d'un citron. Ensuite, vous gardez de côté la quantité que vous désirez faire en bonbons. Moi, j'ai pris 50 centilitres. Puis, on prend de l'agar-agar, qui est meilleur que de la gélatine. Et donc, pour 50 centilitres, j'utilise 3 g d'agar-agar en poudre. C'est vraiment utiliser l'agar-agar qui est donc un gélifiant naturel et qui est meilleur que la gélatine qui laissera un petit goût à votre bonbon. Ensuite, vous allez poursuivre jusqu'à atteindre l'ébullition. Quand vous avez atteint l'ébullition, vous allez poursuivre la cuisson pendant encore 5 minutes. Versez dans le moule de votre choix. Il ne vous reste plus qu'à mettre au réfrigérateur pendant au moins minimum 2 à 3 heures. Moi, je l'ai laissé toute la nuit. Et voilà, la recette est terminée, j'espère que ça vous plaît. Et voici donc mon fameux bonbon nounours géant. Et oui, j'ai pas pu résister, je lui ai déjà croqué les oreilles. Mais voilà, je vais encore manger un petit bout devant vous. Allez hop. Et donc le verdict, ben, ce bonbon est sympa, il est frais, il est vraiment agréable à manger. Moi, je ne vais pas le finir tout seul non plus, je vais le partager. Pour le faire goûter un peu à mon entourage, mais voilà, vraiment, c'est une recette que je vous conseille de faire. Et si jamais vous avez fait le bonbon Coca-Cola déjà et que vous allez faire celui-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré. Et donc, si la recette vous a plu, que vous trouvez mon bonbon
beau et que vous aimeriez vraiment le manger, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera super plaisir. En attendant, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et aussi encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné et vous venez de me découvrir, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, vous ne serez pas déçus. Voilà, moi je vous dis bon appétit, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end avec, je l'espère, du soleil. Vous faites des gros bisous, mes petits gourmands, je vous kiffe, ciao!